Allez, salut, ici Tot, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre nouveau Toto Play sur Portal 2. Et oui, un jeu extrêmement addictif, en tout cas moi, quand j'y ai joué une première fois, je ne pouvais plus m'arrêter. Donc c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en 2011 ou en 2010. Et bien franchement, moi je me suis dit, attends, il faut faire un Toto Play là-dessus, c'est juste énorme quoi. Donc oui, je ne vous fais pas le Toto Play que je vous avais promis sur un même jeu datant d'il y a 10 ans, parce que malheureusement je n'arrive pas à le faire fonctionner. Donc en attendant, on va faire un petit Toto Play sur Portal 2 qui est tout aussi bien, que j'adore tout aussi. Et donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, les amis. Commençons donc une nouvelle partie sur Portal 2. Oh yeah. C'est parti. Donc j'ai déjà fini le jeu, hein. C'est pour ça l'écran titre est assez bizarre. Hein. Vous comprendrez quand on sera vers la fin du jeu. Ne vous inquiétez pas. Bon. Comme Portal est un jeu assez court, je vais devoir donc limiter les épisodes. Je vais pas faire Portal 2 en 5 épisodes, on va éviter. Donc je vais réduire les épisodes à genre 15 à 20 minutes. Ce sera mieux pour vous et puis au moins on s'ennuie pas. Voilà. Oh yeah. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours conformément aux lois. Alors attendez, avant, je vais baisser un peu le son. Parce que le son est assez fort. Clac, je vais le réduire de moitié. National et fédéral, ah, c'est déjà mieux. Les tests du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Alors ? Vous allez entendre une sonnerie. Vous alors ? Alors, regardez le plafond. Ah, j'ai pas écouté ce qu'il y a écrit. Regardez en haut, yes. Bien. Oh, c'est beau. Oui, les amis, c'est du plaqué, c'est magnifique. Ah, le sol. Oh, de la très belle moquette verte. Oh, c'est magnifique. Je la stiffe. Et maintenant, terminé. Oh yeah, c'était pas dur. Un tableau encadré est accroché au mur. Oh, il est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Oh, je la contemple. Oh, c'est magnifique. Oh là là là. Les amis, vous pouvez contempler avec moi. Regarde ce magnifique tableau. Oh yeah. Estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé. Veuillez écouter ce court extrait de musique classique. C'est insuffisant. Oh, c'est magnifique. Aïe, ça fait mal aux oreilles ce truc. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Oh yeah. Donc les amis, Portal, Portal, Portal. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien déjà nous jouons une femme. Et oui, place aux femmes. Cryostase a duré 9. Ouh là là. 9. Chapitre 1, les amis, commençons cette grande aventure. Et je vais aller ouvrir celui qui toque. Dis donc, salut toi. Vous avez une mine affreuse. Superbe. Ah, c'est ça, je me couche assez tard en ce moment, c'est pour ça. Non, ne répondez pas, je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation du monde. Oh yeah, on va s'évacuer, les mecs. Préparez-vous. Oui. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas, je vais nous faire sortir d'ici. Dépêche-toi. Vous en je vais sortir. Ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ok, je m'accroche au micro-ondes. Ça m'a l'air une bonne idée, attendez. Hop, c'est bon, je suis accroché. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Vous m'entendez? Ouais. Vas-y. Vas-y, je suis accroché au micro-ondes, c'est un bel appui. Ouais. Ok. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ça, j'essaie depuis longtemps, t'inquiète pas. J'adore les champignons. Si vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. D'accord. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Oui. Space. Je vois. Non, ça c'est sauté. Vous avez sauté, c'est ça. Mais t'as vu, je fais bien. Petite pomme. Pomme. Apple. Ah merde, c'était pas ça. Quoi, on va s'en contenter. Accrochez-vous. Ok. Oh yeah. Système de sécurité du réacteur dissocié. Les amis, je vais dormir un coup. Vous préparez à la regardez la marque que j'ai laissée. Oh mon dieu. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la mouise. C'est vrai. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? Nickel, j'ai une superbe vue et tout. Waouh. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Oh. Approchez-vous, c'est un peu délicat. Un petit peu beaucoup en fait, hein. Waouh. Mais moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit?
Mais mec, tu sais pas conduire, tu vois pas qu'il y a des blocs devant. Espèce de gros noob. Ok. Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer? Ah ouais, j'ai une bonne vue. Il y a la place. Bon, bof. Faut juste que je passe ça là. Ouais, voilà en fait. Bon, il faut voilà. Juste que je me concentre. Les amis, je n'ai pas confiance en ce mec. Qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Oh. Ah, zut, je suis rentré en plein dedans. Un peu en plein dedans, un petit peu. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Oh yeah. Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Ok. Pas du tout mort. Oh. Ok, on y est presque. De l'autre côté il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Si tu le dis. Oh mais les amis, ce mec est fou. Il veut me tuer. Il veut me tuer, je n'aime pas être tué personnellement. C'est pas une station d'accueil. D'accord. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Et après tu dis que j'ai des lésions irréversibles, hein. Tu t'es vu aussi? Tu fonces dans des murs, mec. Presque. Ah mais ça ouvre un passage. Vous cherchez une arme qui fait des trous. Pas des trous de balle, mais vous verrez bien. Mais dis donc, sois pas vulgaire, Oh. Bien. D'accord. Wow. Eh ben dis. Oh yeah. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter. C'est des Oh yeah. Vous êtes fortiche en 3D. Merci. Faites de votre mieux, d'accord? On se Allez, salut. Loin. Bon et bien les amis. Bon, voilà. Bonjour. Oh yeah. Bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivation. Afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Ah, il est midi. Oh yeah. Bon les amis, j'ai fini ce que j'avais à faire, hop, je tire la chasse. Et c'est reparti. Bon, attendez, je prends ça. Bon bah voilà, le principe de portail, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, et bien tout simplement, on passe dans un portail orange pour partir dans un portail bleu pour orange, et voilà, ainsi de suite, c'est tout aussi simple que ça. Nous sommes à la salle 0, c'est génial. Je prends ma petite radio avec moi et continuons. Donc voilà les amis, Portal, c'est un jeu de logique. Et oui. Priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de la test, sachez Tais-toi. Bon. Vous remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé la traversant. Il vaut mieux un long discours, mon cher. Je vais montrer à nos chers amis ce que fait une grille d'émancipation. Où est ma radio? Je veux écouter Chérie FM. Non, ça c'est un cube. C'est la radio que je veux. Voilà. C'est vrai, les amis. Si je passe un objet dans ce truc bleu là, oh fuck. Désolé, chérie FM, ce sera pour plus tard. Allez. Bon. Eh ben ça commence bien, les amis. Je viens d'être réveillé par un robot qui conduit comme un bourré et qui m'a laissé toute seule dans des salles de test que je dois passer tout seul et je suis une fille. Tout va bien, si bah oui. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Ok, man. Oh. Bon, bah là c'est simple en fait. Suffit de faire ça, les amis. Oh non, c'est pas celui-là, faut que j'aille chercher le cube. Il est là-bas le cube. Donc bah voilà les amis, hein. On passe d'un jeu d'aventure de Zelda à un jeu de logique. Hein. Et un petit peu, il y a un petit peu d'action dans Portal, faut pas charrier non plus. Hein. Un petit peu, beaucoup d'action. Par exemple, je peux jeter ce cube. Oh là, quelle action! Oh là là, c'était magnifique! Voilà, il y a de l'action. Ne vous inquiétez pas les amis, vous ne vous ennuierez pas sur ce jeu, bien au contraire. Allez, donc on passe les salles, hein. C'est assez facile au début.
En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Moi, je pompe pas dans un ascenseur où ça tombe de partout, là. En question de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un projet de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Ok, bon. Je recorde en 50 images par seconde. J'espère que ce sera assez pour vous, les amis, que l'image sera fluide. Normalement, il n'y a pas de problème. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Ne me mangez pas, s'il vous plaît! C'est Toto, c'est le retour de Toto, les amis. Vous vous souvenez? C'est le méchant dans ce jeu, j'en suis certain. Oh yeah. Hey! Il doit y avoir tiens, vas-y, check! Sur ce podium. Clac! Ah, t'as pas de bras! Bon, merde! Mais bon. Je le vois pas! Okay. Il est peut-être tombé? Oh! Oh, mais je le connais ce machin! En plus, je vois pas pourquoi j'ai peur! Vous voyez le générateur? Ouh! Et au fait, vous êtes en vie! Les amis, nous sommes dans l'eau! Oh yeah! J'ai le portal gun, les amis. Regardez. Oh yeah, je peux faire des portails autant que je veux. Je peux pas encore faire le portail orange, malheureusement. Il me faudrait un portal gun un peu plus développé. Ne vous inquiétez pas, je sens qu'on va l'avoir très 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 bientôt. Bon, continuons. Y'a quelqu'un? Non, on n'est pas dans Amnesia, y a pas de mob. Normalement, non, y a pas de mob dans le portal. Je dis des bêtises. Alors ensuite, ouais. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Et hop. Nous tenons à vous assurer que tous aspirent et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si allez, aspire, vas-y. Mortels à respecter vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. J'ai l'impression que je suis tout seul, les amis, dans cette aventure. Il n'y a pas d'autres humains. Ils sont tous morts. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure. Alors, la petite boule qui m'accompagne s'appelle Weedley. Weedley, moi je l'appelle Weedley. Et elle nous aide. Je sais pas pourquoi. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Ah, c'est beau. Oh yeah. Attendez, je lance les amis. Qui était la musique? J'étais en pleine danse. Je suis pas d'accord. Bon, le cube, tu viens avec moi et tu te mets là. Alors, je vous cache pas, les amis, que ce jeu-là, je l'ai fait plus d'une cinquantaine de fois. Ouais, au moins une bonne cinquantaine de fois. Donc, je vais pas vous spoiler, bien évidemment. Je vais faire semblant de ne pas connaître le jeu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? Non, je vais pas faire ça quand même. Au début, c'est normal que je fasse les salles vite. Hein. C'est parce que je connais le principe. Hein. C'est facile. Mais vous verrez, je sais qu'à la fin, je galère toujours un petit peu. Donc, no problemo, ne vous inquiétez pas. Hop. Tout simplement. Clac, clac. Donc, je disais, la petite boule qui nous aide. Bon travail. Ce message s'appelle Weedley. Tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Je vous compte de tout compliment non mérité. Tu sais que tu m'énerves à me couper toujours la parole. Bon. Je disais que la boule qui nous aidait s'appelait Weedley. On ne sait toujours pas pourquoi elle nous aide. Et elle nous disait que tous les autres sont devenus des légumes. D'accord. Donc ils sont tous morts quoi. Je suis le seul survivant. Bon bah je crois que c'est par là ensuite. Ah, attendez. Il y avait un autre passage. Bon des fois il y a des salles cachées dans le portal. Mais bon ça apporte pas grand chose. En tout cas ce que je peux vous dire les amis. C'est que je joue une femme super sexy qui s'appelle Shell. Yes. Eh oui. Elle est sexy. Bon, ok. Elle a perdu beaucoup de poids. Parce que ça fait 9 jours qu'elle est en je sais plus quoi, là. En hibernation. Donc, j'ai perdu un peu de poids. Je suis assez maigre. Je me vois pas. Si le centre d'enrichissement oh, salut, caractère tueur de frigo. Météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite... Excusez-moi les amis, j'ai fait une commande, j'ai fait un peu n'importe quoi, je voulais me mettre en ligne, hors ligne plutôt, donc je vais le faire maintenant. Où est-ce qu'on se met hors ligne? C'est là? Non, c'est pas là. Où est-ce qu'on se met hors ligne? Ah, c'est là. Hop, je me mets hors ligne les amis, voilà, parfait, comme ça. On se fera pas gêner par mes amis, j'en ai beaucoup sur Steam, non je déconne, j'en ai que 15, à peine.
Donc, on va par là. Hein. Wouhou! Salut tout le monde! Je voudrais un cube, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Je peux mettre un... Ouais, nickel. Donc, vous voyez, les amis, dans les portails, on peut tout faire passer, comme moi, comme des cubes, comme... n'importe quoi, comme de l'air, comme de la poussière, comme ce que vous voulez. On peut tout faire passer. Et bien sûr, les lois de la physique sont... sont conservés. Regardez, par exemple, là, si un cube tombe ici, il va garder la même vitesse qu'il avait. Wow, boom. Oh, bien, ça me l'a mis juste là. Le centre nickel. Vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. Ok. Wow, 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 mais c'est quoi? Je vais appeler le responsable du ménage, parce que là, c'est pas possible. Ça tombe de partout. C'est pas bien. Bon. Pour que vous suiviez quand même un peu l'histoire, les amis, je vais éviter de parler pendant que l'autre, celui qui me coûte toujours la parole, la voix off, parle en même temps. Donc, je vais y aller mollo. Hein. Voilà. Ah là là, j'adore ce jeu. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Toi, tu viens avec moi. Salut, Tot. Hé, hey, Toto, c'est toi? Ouais, je me suis reconverti en caméra. Je vois à peu près tout. Bon, et t'as changé de voix aussi? Bon. Mais tu sais que cette voix-là était pas géniale. Donc, bah, j'ai changé en celle-là. Ouais, t'as raison, ça te va beaucoup mieux. Vas-y, tu viens avec moi. Alors, j'ai filmé plein de trucs, il y a des filles qui sont passées et tout, c'est vrai? Non, je déconne. Bon, allez, on continue. Tu devrais me laisser le temps de ton test. T'as raison. Tu veux que je te jette tout? Là, c'est bien, ok. Salut. Salut, Tot. Je vais filmer le sol pendant que tu n'es pas là. Oh, il est beau le sol. Oh là, mince. Tot, tu t'es encore fêlé. Bon, c'est bon, c'est bon. Filme le sol, voilà. Voilà, les amis, nous avons retrouvé Toto. Hein. Il filme le sol, donc ce sera dans ce jeu-là. Toto est une caméra. Bon, bah, autant pour. Aussi, c'est bien pour lui. Hein. Il fait ce qu'il veut. Donc voilà, je vous disais. Je conserve mon énergie cinétique, les amis. En clair, je conserve la vitesse que j'ai durant mon passage. Bon. Tu vas où, toi? T'es une vilaine. Tu reviens là. Je traite les cubes de vilaine. C'est pas bien ça. Fuck. Bon, attendez, les amis. Hop, voilà. Clac. Let's go! Bon, et voilà les amis, je peux que passer. Si vous êtes un non-employé et avez découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. Oh la chance. Toto, qu'est-ce que tu fais là-haut? Je filme le sol, tu vois, toujours. Attends, je te prends. Oh yeah. Hey, y a un truc là-bas, Tot. Là-bas. Non, je te troll en fait. Ok, bon bah. Tu es méchant! Non! Foiré, c'est rien ça. Bon les amis, nous allons laisser Tot là. Donc, un peu de sérieux, on va essayer d'avancer dans ces salles. Parce qu'à ce train là, on n'y arrivera jamais. Ça c'est à cause de Tot. Oh tais-toi. De Toto, pourquoi je dis Tot? C'est à cause de Toto. Si je... Après on va me prendre pour un schizo hein. Oh là là. Si je me dis moi-même. Bon. Où est-ce qu'il faut que je mette ça les amis? Le cube doit se mettre toujours sur les boutons. Donc il faut que j'accède aux boutons. Hop, je vais aller là, regardez. Toujours la conservation de l'énergie cinétique. Oh yeah. Boum, je me suis pris le mur, c'est pas grave. Alors pour ceux qui se demandent, mais Tot, comment tu fais? Tu tombes quand même de 50 mètres et tu arrives toujours. Bah, c'est normal les amis. En fait, j'ai des bottes assez spéciales qui permettent, en fait, je peux tomber de quoi 500 mètres, je n'aurai pas mal. Ces bottes me permettent de, en fait... Bravo pour pas me faire mal, voilà. Être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Je pourrais envoyer mon chat, mais bon, en ce moment elle dort un peu beaucoup, donc je vais éviter, hein. Donc je vais continuer les tests, les amis. Ah, on est là pour ça, donc continuons les tests. Donc voilà, on fait des tests là, on sait pas trop pourquoi, on avance un petit peu sans but, mais ne vous inquiétez pas, je sens que ça va changer. Oh yeah. Salut Woodley. Formidable. Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail. T'as vu ça? Comme hey. C'est vrai ce qu'on dit. La classe hein. Aux innocents, lobotomisés. Tot. Les mains pleines. Si Toto. C'est pas beau quand même. Salut Tot. Bon. Je filme toujours le sol comme tu vois. Ouais je vois ça. On va écouter Woodley. Un truc
assez barge. Vas-y, Biquette. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. Ok. À trois. Vas-y. On y va. Un. Je suis prêt. Deux. Trois. C'est haut. C'est trop haut même, non? C'est quoi ce troll là que tu viens de me faire? Je suis pas d'accord. On a trop de temps pour réfléchir. Allez, vas-y. Allez, à un ce coup-ci. Allez, on est prêt? Un. Chopez-moi, chopez-moi. Ah, et maintenant, je te troll. In your face, my friend. Salut. Je suis pas mort. Pas mort. Vous savez, je peux le porter. Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez être scié. Ça, ça, là, ce truc là? Eh bien, tiens. Je peux pas faire ça si vous matez. C'est vrai. Non, mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à mater sur toi, mec? Il faut que t'arrêtes hein, de bon, te la vous péter. Vous pouvez vous retourner. Paf! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant de que la balle! Allez, vrai. Viens avec moi. Regardez! Je suis plus tributaire du diktat du rail. Oh, oh yeah! C'est formidable. Oh. On peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait? Attendez, attendez que je me repère. Il faut que. Où est-ce qu'on va? Faut qu'on suive le rail. Eh ben non, les amis. Eh ben oui, la fin du premier épisode est déjà là. Je vais donc devoir vous quitter maintenant. Si ça vous a plu, si ce nouveau Totoplay vous plaît, oh, jolie répétition qui ne veut pas dire la même chose, eh bien, mettez un pouce vert, mettez des commentaires, partagez à ceux qui aimeraient Portal 2 et verraient Tot en train de jouer à Portal 2 tout simemplement et de quelques fois se rater tout simplement parce que je sens qu'il va y avoir des fails dans cet autoplay hein, parce qu'il y a des sacs qui sont assez durs donc voilà donc je vous dis à plus tard, c'était Tot pour le premier épisode du autoplay sur Portal 2. Allez, salut à tous.